Hello, bienvenue dans votre émission Style Jari sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmier et c'est parti. Chanteuse Kirsey Clemons, la grande passionnée de musique, de mode et du spectacle. Née le 17 décembre 1993 à Los Angeles, Kirsey est une actrice et chanteuse américaine. Fille d'un Afro-Américain et d'une mère blanche, elle a grandi d'abord à Pensacola, en Floride, puis déménage à Redondo Beach, Californie. Plongée dans la créativité dès son enfance, elle se passionne pour le chant, la mode et les spectacles. Elle a été victime de racisme durant sa jeunesse, mais minimise l'impact que cela a pu avoir sur son développement personnel. Elle se fait remarquer par une agence à 16 ans et débute alors rapidement une carrière dans le milieu du divertissement, bien qu'elle soit réticente à prendre des cours de comédie. Révélée dans la comédie dramatique Dope 2015, elle se fait également connaître à la télévision en jouant des rôles réguliers dans les séries télévisées Transparent en 2014 et 2015. Extant en 2015 et Angie Tribeca en 2018. Elle poursuit cette percée au cinéma avec la comédie Nos pires voisins 2 en 2016, le drame Liaison à New York en 2017 et le film de science-fiction L'expérience interdite Flatliners en 2017. En 2016 et 2017, elle joue dans 3 épisodes de la série télévisée Easy, diffusée sur la plateforme Netflix. Ensuite, elle obtient l'un des premiers rôles du film de science-fiction L'expérience interdite Flatliners, donnant la réplique à Elliot Page et Nina Dobrev. Réalisé par Nils Arden Oplev et sorti en fin d'année 2017, il s'agit d'un remake de l'expérience interdite de Joel Schumacher, sorti en 1990. Entre deux tournages de films, elle s'octroie une pause télévisuelle en 2019 lorsqu'elle rejoint la 4e saison de la série télé Angie Tribeca. Dans cette comédie policière, aux côtés de Radisha Jones et Jer Burns, elle incarne une experte en technologie et en langue. Considérée comme une actrice à suivre, elle est également annoncée au casting de l'adaptation en prise de vue réelle du classique Disney « La Belle et le Clochard ». Elle y joue le rôle de la propriétaire de Belle. Ce remake sort en exclusivité sur la plateforme Disney+. En 2019, elle rejoint la distribution du téléfilm musical Rent aux côtés de Vanessa Hudgens, Jordan Fisher, mais aussi deux chanteurs tels que Mario et Tinashe, ainsi que la drag queen Valentina, révélée dans l'émission RuPaul's Drag Race. Au cinéma, elle est la vedette du film d'horreur Independent Sweetheart, présenté au festival du film de Sundance 2019, et signe une performance saluée par la critique. Comme nous l'avons souligné si haut, Kirsey est une grande passionnée de musique et de mode, et elle manie l'art de l'habillement à la perfection. Que ce soit sur le tapis rouge ou juste pour une sortie, elle peut nous surprendre agréablement avec ses looks. Voici quelques-uns de ses meilleurs moments au fil des saisons. Kirsey Clemons est estivale chic dans cette robe portefeuille blanche à bretelles spaghetti, signée Keepsake lors de la célébration de l'Entertainment Weekly en l'honneur des nominés de la SCJ en janvier 2016. Elle portait des talons rouges à lanières de Tony Bianco pour une touche de couleur à sa robe. Au casting Society of America Arthur's Awards en 2016, Kirsey avait l'air cool et sophistiqué dans cette robe bustier color block. Elle a gardé le plaisir jusqu'au talon mocassin vernis bicolore, un total look très minimaliste. Kirsey a apporté beaucoup de brillance à la première de Neighbors 2 Sorority Rising avec cette robe dos nu argenté Marc Jacobs. Elle a assorti sa robe avec des sandales de soirée argentées à lanières et la fashionista avait l'air avant-gardiste dans une robe à volant bleu marine avec une seule manche lors du défilé Cushy & Oaksh. Elle a coiffé sa robe avec d'élégants talons argentés. Toute cette usante dans une robe Dior LWD avec un décolleté plongeant et un détail de ruban coloré pour la première internationale de Guggenheim, Kirsey a terminé son look chic avec un sac à bandoulière en chaîne dorée, également signé Dior. Au GLAAD Media Awards de 2018, vêtue d'une veste noire ajustée sur un gilet en cuir,
tous les deux signé Louis Vuitton. Elle a fait étalage d'une jambe dans une paire de shorts courts, également Louis Vuitton. Elle a associé sa tenue avec une paire de sandales noires et dorées. Kiersey Clemons était dorée dans une robe H&M perlée avec un décolleté plongeant lors du gala du Met de 2018. Kiersey Clemons a mis en valeur ses jambes dans une robe courte imprimée verte et noire d'Eleanor Balfour au BeautyCon Festival LA de 2018. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine sur Fashion Africa Channel.